Là, là j'en reviens pas que j'en sois déjà à 16% de à se finir trop vite. C'est trop bien. Ah oui, je veux la suite de l'histoire, j'aime bien. J'apprécie. J'adore le générique. Ah, je vais essayer de pas être trop mauvais. Alors. Ah oui, puis je crois que le facteur avait sonné à la porte, je ne me trompe. Mais je n'ai même pas ouvert la porte en fait. Ah, bah ça va. Je ne fais patienter personne. Je vais donc prendre mon. Tiens. Ah oui, France Acheteur. Ouais. Son alibi est solide. Oh, il a des esquisses japonaises. Ce bon goût raffiné. Ça ne m'aurait guère étonné de la part d'Hercule Poirot. Oh, alors moi je les ai pas au mur, mais j'ai la chance d'avoir un superbe bouquin. D'ailleurs, il faudra que je remette mon nez dedans. J'ai la chance vraiment d'avoir des chefs-d'œuvre, moi. Mais c'est celui de Poirot ou c'est. Il l'a pris sur la scène de crime? Je ne comprends pas. La clé de l'énigme est dans cet ouvrage. Andover, Hampshire, population 31 200 habitants, horaire des trains Londres-Andover. Oui. Oh, chez Cosy, chez Monsieur Poirot. Mais j'ai même pas souvenir dans les épisodes télé qu'il avait une telle surface de. Enfin, tu me diras, il a les moyens, hein. Il est de réputation internationale. Il peut s'offrir un appart de luxe. Oh là là, quel raffinement! C'est marrant, le tapis me fait penser à la déco qu'on peut acheter dans. Alors, le jeu n'a rien à voir. Dans le jeu de conduite Test Drive Unlimited, le 2 principalement, The Number 2, avec Lady Biza. Oh, petit ventilateur, il peut l'activer. Ah, un peu de fraîcheur. Mais oui, un point d'ego. Allons bon. Même la vue de son appart, il regarde pas. Parce que l'immeuble est beau en plus là où il habite. Hein. Putain, courbé en plus. Va poser des fenêtres sur un mur courbé, toi. Ça doit coûter la peau des fesses. Ce n'est pas le moment. Ah là là. Daily Flicker, du 22 juin 1935 à la une. Bataille pour le contrôle du système bancaire. Que fera le gouvernement pour avoir de l'argent? En bas de page, Andover, meurtre d'une buraliste. Ah, tu penses bien que Poirot se régale après enquête de voir que son nom est encore cité avec Daily succès. Flicker, du. Oui, bref, on l'a vu, quoi. Je pensais que je pouvais manipuler le journal, mais non. Il en a rien à foutre! Lire la lettre, oui, attends, attends, attends. Je ne boude pas mon plaisir d'être dans l'appartement de Monsieur Poirot. Allons bon.
Oh, tu vas trop vite, Hercule. Qu'est-ce donc? Là, faut qu'il m'explique. C'est son miroir, j'avais pas vu. Je croyais que c'était un objet, mais en fait, c'est le reflet des poignées de porte d'entrée. D'accord. Oh là 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 là. Fidèle à lui-même, hein. Ce narcissique. Cher monsieur Poirot, eh bien, qu'en dites-vous? C'est moi le gagnant de la partie, ce me semble. L'affaire d'Andover a marché comme sur des roulettes, n'est-ce pas? Mais la plaisanterie ne vient que de débuter. J'attire votre attention sur Bexhill-sur-Mer, date le 25 courant. Nous nous amusons follement. Bien à vous, ABC. Le prochain crime aura lieu à Bexhill. Allons à Scotland Yard prévenir l'inspecteur Japp. La lettre ne vous a rien appris qui pourrait aider la police? À vrai dire, il me semble qu'on peut déjà deviner quelque chose à propos de la future victime, mais il faut que j'y réfléchisse encore un peu. Ah bon? Examinons ça de plus près. Pourquoi ils mettent l'accent sur les jeux? Ah, il y en anglais. Je. C'est pour dire que le gars, déjà, il a un ego surdimensionné et tout tourne autour de sa personne. C'est ça? Ah, j'ai de la psychanalyse à deux balles! Les caractères des deux courriers ont peut-être des défauts similaires. J'ai de la psychanalyse à deux balles! Ouah, je peux cliquer sur toutes les lettres! Le A de Andover. Oui, le A semble assez particulier. Ouais. Il est penché. C'est ça. Les caractères A des deux courriers ont bien les mêmes défauts. Je dois trouver d'autres défauts similaires pour valider ma théorie. Mais c'est pas un défaut de d'écriture, mais bel et bien de calibrage de tête de machine à écrire. On voit que c'est désaxé. Donc ça veut dire qu'il est fort probable que Poirot, au cours de son enquête, au final, mettre la main sur la machine à écrire du propriétaire, et ça pourrait même d'ailleurs le confondre. Je vais peut-être vachement loin dans le raisonnement, mais bon. Et j'aime bien ce genre de jeu. J'aime remuer les petites cellules grises. Oui, ce I est étrange. Bah, il est sacrément prononcé. On dirait qu'il l'a frappé trois fois. Oui, les caractères I des deux courriers ont bien les mêmes défauts. Je dois trouver d'autres défauts similaires pour valider ma théorie. Mmh. Là, le W minuscule est mal imprimé. On le voit. Le W n'est pas parfaitement imprimé. Ouais. Bien sûr, les caractères W des deux courriers ont bien les mêmes défauts. Ma théorie était exacte. Ces deux courriers ont été écrits avec la même machine. Les deux lettres ont été écrites sur la même machine. Elles présentent les mêmes caractéristiques. Vous m'étonnez, Poirot. D'habitude, vous rechignez à examiner les preuves matérielles. Mais cette affaire n'a rien d'habituel, Hastings. Il ne faut négliger aucun élément. Tâchons à présent de faire fonctionner nos cellules grises. Qu'y a-t-il de particulier dans le meurtre d'Andover? Oh, je suis chronométré là ou quoi? Ça fait bizarre de voir le fond se déflouter. Ça me met en panique. Ce qu'il y a de particulier, ouais, déjà, c'est le guide.
Ouais. Ah, c'est vrai. La première victime s'appelait Asher. Que peut-on deviner sur la future victime? Bah qu'elle s'appellera B. B quelque chose. Alors Poirot, vous avez trouvé quelque chose? Je crois, oui. Mais j'ai peur que ce ne soit pas suffisant pour arrêter le meurtrier. Allons voir Jap, je vous expliquerai là-bas. Le prochain meurtre, c'est Brigitte Bardot. Ah, j'aime bien sa coupe de fruits. Évidemment, je n'ai point le droit de me rendre dans les pièces privées de Monsieur Poirot. Ce serait trop beau de deviner quelle est sa chambre à coucher, ou ses toilettes, ou je sais pas quoi. C'est vrai que j'ai pas dévisagé mon coéquipier. Ah non, j'ai pas le droit. Ah, j'aurais tellement aimé. C'est l'heure du jugement. Ah, oh, ça a été tellement drôle. Allez, encore un petit coup dans la glace. Oh. Oh oui qu'il est beau. Il s'est récuré les poils de nez. Il s'est posé les poils de là où je pense. Yeah, allons à Scotland Yard. Je peux parler... Oh, est-ce que je peux parler à la dame? Non. C'est pas dans le genre de Poirot que de déranger la jambe féminine. Il est peut-être temps d'aller à Scotland Yard? Yes. J'aime bien la tuture. Madame à Scotland Yard, s'il vous plaît. Là, je le vois mal sortir et dire « Chez la Queen, je vous prie. » À Buckingham Palace. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Ah, c'est là? Oh, ça fait pas très commissariat comme entrée. T'as une drôle de tronche, leur Scotland Yard. Tellement étrange. Ouh là là. Comme tous les chasseurs, Hastings a toujours été fasciné par les armes. Ouais. Oh ! Des récompenses. Jap s'investit beaucoup dans son métier. Oh, un certificat. Citation à l'ordre du mérite. Ah, et... Non, la statuette ? C'est un sniper. Jap est un enquêteur très respecté de ses pairs. C'est la carte de Londres. Ah non. Ok, c'est le sud du Royaume-Uni. Londres. J'apprécie beaucoup cette ville. Une chose est sûre, on ne s'y ennuie jamais. Et j'imagine. Et ça c'est quoi? Alice Asher a été assassinée à Andover. Le premier meurtre du tueur ABC. D'accord.
un bug de souris, c'est chiant. Jap semble débordé. Bah, vu comment il positionne ses mains, j'ai l'impression qu'il fait du maraboutisme, là. Merde, j'arrive pas à me concentrer. Mais oui, mais on dirait qu'il fait du maraboutisme. Ah oui, il a décroché le téléphone, effectivement. Ouais, il a pas le temps de boire son... D'accord. Jap semble déjà surchargé de travail. La nouvelle que je lui apporte ne va pas arranger les choses. Bonjour, inspecteur. Nous sommes porteurs de mauvaises nouvelles. Je viens de recevoir une nouvelle lettre signée ABC. Le prochain crime aura lieu le 25 à Bexhill-sur-Mer. Vous êtes sûr qu'il s'agit du même expéditeur ? J'ai comparé les deux courriers. Ça ne fait aucun doute. Et vous pensez qu'il va mettre ses menaces à exécution, je suppose ? Je le crains. Mon Dieu, Poirot, Bexhill est très peuplé à cette période. Et nous n'avons aucune idée de qui sera la prochaine victime. Je soupçonne que le nom de la seconde victime commencera par un B. Qu'est-ce qui vous fait croire une chose pareille ? J'y ai songé en voyant le nom d'Asher, peint sur la boutique d'Andover, de la malheureuse femme assassinée le mois dernier. Lorsque j'ai reçu cette lettre mentionnant Bexhill, j'en ai déduit que la victime, de même que la ville, avait pu être choisie en suivant l'ordre alphabétique. Il s'agirait d'un maniaque de l'alphabet. Je vais faire dresser une liste de tous les gens dont le nom commence par un B, en espérant qu'ils soient pas trop nombreux. Bien, nous allons vous laisser travailler, inspecteur. Vous avez quelques jours devant vous pour vous organiser. Merci d'être passé, mes amis. Poirot ? Inspecteur Jap, votre appel ne me dit rien qui vaille. En effet, nous venons de trouver le corps d'une jeune femme sur la plage de Bexhill. Un ABC est posé sur elle. Oh merde. Nous arrivons dès que possible. C'était bien Brigitte Bardot, elle allait à la baignade. Et là, je constate le meurtre. Poirot reste bouche bée. Une ville charmante. J'aurais aimé y venir dans d'autres circonstances. Je ne peux pas en dire autant. Les promenades sur la plage gâtent mes chaussures et réveillent mes douleurs aux genoux. Oh. L'âge ne vous épargne donc pas, mon ami. C'est malheureusement notre lot à tous. C'est exactement ce que je me suis dit en vous voyant à votre retour de voyage. Oh, oh, oh. Poirot ! Ne prenez pas la mouche, Hastings. J'aperçois Jap qui nous attend. Et d'après sa mine sombre, je jurerais que l'affaire est mal engagée. Bonjour, messieurs. Bonjour, inspecteur. J'ai bien peur que votre admirateur n'ait encore frappé, Poirot. Nous n'avons pas encore identifié la victime. Mais c'est une jeune femme d'environ 20 à 25 ans. La mort a eu lieu entre 23h30 et 1h du matin. Et on a retrouvé un ABC sur le corps. Était-elle jolie ? Mais enfin, Poirot, ce n'est pas le propos. C'est un détail sans rapport avec le meurtre. Vous en êtes sûr ? Pourtant, pour une femme, c'est d'une importance capitale. C'est souvent sur ce détail que se joue son destin. Le corps n'a pas été bougé. Vous pourrez en juger par vous-même. La presse a-t-elle été prévenue ? Non, pas encore. Mais j'y songe. En tout cas, pour le moment, je n'ai pas communiqué la présence du guide ABC à Andover. Personne n'a signalé la disparition d'une jeune femme. Pas pour le moment. Aucun témoin, je suppose. En effet. Toutes les personnes qui auraient rencontré hier soir une jeune fille correspondant à son signalement ont été invités à se présenter devant nous. Mais j'ai peu d'espoir de ce côté-là. Il est encore tôt, inspecteur. Et la nouvelle ne s'est peut-être pas encore répandue dans la ville. J'espère que vous avez raison, Hastings.
j'ai pas assez d'éléments, je suis même pas allé voir le cadavre. Bah oui, j'en ai même aucun. Je peux pas faire de déduction. Ah là 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 là. Les cabanons m'intriguent. Sont des cabines de plage. Cette cabine est fermée à clé. Cette cabine est fermée à clé. Je suis prêt à toutes les faire, même si la plage fait 10 km de long. Cette cabine est fermée à clé. Voilà. Le cadenas est fermé à clé. La mouette est coupable. Elle est revenue sur les lieux du crime. Cette cabine est fermée à clé. Tiens. Il n'y a pas de doute. Bexhill est une des plus jolies plages de la région. Je ne m'attendais pas à ce qu'il fasse une remarque sur le sol. Bah, quelle idée d'avoir des souliers vernis, enfin... Si bien entretenu, une marche. Il n'y a pas de doute. Bexhill est une des plus jolies plages de la région. Bon, bref, je vais aller voir la malheureuse. Je vais pas tergiverser tant que ça. Oh, strangulation, apparemment. La malheureuse. Ses marques ont été laissées par une corde ou un tissu tressé. Elle était pieds nus. La jeune femme ne portait ni chaussures, ni veste, ni sac. Étrange. C'est vrai, ça. Soit le meurtrier lui a volé ses affaires, soit elle les a mises à l'abri, peut-être pour se baigner. Je pense que c'est la deuxième hypothèse qui est la bonne. Donc là, elle a une clé dans la main. Cette clé est trop petite pour être celle de sa maison. Elle ouvre sans doute un cadenas. Le contraire m'aurait étonné. Elle ne tient rien dans l'autre main ? Mis à part les marques sur son cou, il n'y a pas de traces de lutte. Elle n'a pas pu frapper son agresseur. Une ceinture de soie tressée. Elle appartenait peut-être à la victime. Le guide est ouvert à la page des horaires de train pour Bexhill. Ces marques ont été laissées par une corde ou un tissu tressé. Après le septième et dernier élément, je vois pas trop c'est lequel. Une ceinture de soie tressée. Ces marques ont été laissées par... Oui, ben, ou alors les cheveux, peut-être, le visage. Elle était d'une grande beauté. Curieux que Jap ne l'ait pas remarqué. Tâchons à présent de faire fonctionner nos cellules grises. Comment la victime a été tuée ? Bah, par strangulation. Et voilà, avec la ceinture, apparemment. Merde. Mais non ! À chaque fois, je me fais avoir par l'interface. Je fais pas ce que je dois faire. La victime a été étranglée par surprise avec sa propre ceinture. Ouais. La pauvre enfant a dû être étranglée avec cette ceinture tressée. Malheureusement, vu la matière, on ne risque pas de trouver d'empreinte. Tâchons à présent de faire fonctionner nos cellules grises. Quels sont les points communs entre le meurtre d'Andover et celui de Bexhill ? La victime est une femme, j'ai envie de dire.
Attends. Les crimes d'Andover et de Brexil sont-ils l'œuvre du même meurtrier? Bah, la lettre annonçant le crime, ouais. C'est la même qui a été frappée la première et la seconde. Les deux meurtres ont été prémédités et exécutés par le même assassin. Oui, c'est vrai que la presse ne parle pas des ABC, ouais. Le médecin légiste devrait confirmer que la victime a été étranglée avec sa propre ceinture. C'est bien ce que je pensais. Elle porte des marques de strangulation caractéristiques. Avec un peu de chance, nous trouverons des empreintes cette fois. Vous êtes trop optimiste, Hastings. Notre tueur est trop minutieux pour ça. Et maintenant, je veux fouiller le cabanon. Cette cabine est fermée à clé. Et laisse-moi le temps de mettre la main sous la clé, que j'ai pas observée d'ailleurs. Observons la quille. La petite clé trouvée sur le poignet de Betty Barnard. Elle me paraît trop petite pour ouvrir une porte. Ah, elle a le cabanon numéro 6. J'ai une number 6, please. 9, 8, 7, d'accord, c'est là-bas. Chabadabadabada. Chibidibidibidou. Ah non, j'ai pas cliqué là où il fallait. Faut que ce soit en surbrillance peut-être, non? Ah, c'est... Ah. Mais non! Mais je l'ai déjà vu. À moins que je sois obligé de lui faire comprendre que j'ai bien lu le chiffre 6... Attends, c'était 9 ou 6? Je ne sais plus. Ça y est, je suis perturbé. Non, c'est le chiffre 6. C'est souligné en bas. Je peux zoomer? Non, je peux pas. Donc 9, c'est pas celui-là, mon dieu. Je ne sais plus lire. Hey, il y a une fourberie. Il y a deux fois le 9. Quelqu'un a prématurément retourné le... Mais oui, mais quelqu'un a retourné le... C'est malin, ça. C'était comme ça, patate. S-715. D'accord. Ah, petit malin. Va me laisser cliquer, oui. Un cadenas à double verrou. Il faut que je trouve le code et que j'insère une clé ensuite. Alors. La 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 la. C'est bien ça, c'est le secret code. Hop là. Ça fait longtemps que j'ai pas manipulé des verrous comme celui-ci. En vrai, je parle évidemment. Le premier jour de travail de ma Betty. Maman est très fière de toi. Elizabeth Barnard, 8 juillet 1931. Ainsi donc, la demoiselle avait bien un nom commençant par un B, et elle travaillait au Ginger Cat, un établissement qui doit être un peu plus loin sur la plage. Intéressant. Voilà le sac de la victime. Le porte-monnaie est plein. Une fois encore, on peut écarter le vol comme mobile du meurtre. À l'intérieur, il y a la montre qu'elle avait dû ôter pour ne pas la mouiller. Et un rouge à lèvres de grande marque. Elle aimait prendre soin de son apparence. Ainsi qu'une photo de la victime accompagnée. Elle pourrait m'être utile. C'est bien là que la victime a laissé ses affaires.
C'est surtout que tu aurais dû constater Poirot qu'elle était à côté de ses pompes. Jap est parti au commissariat. La victime a été identifiée. Sa famille avait signalé sa disparition. Elle s'appelait... Elisabeth Barnard, dit Betty. Et elle travaillait au Ginger Cat, le salon de thé un peu plus loin sur la plage. Mais Poirot, comment... Peu importe. Vous avez son adresse? Oui, elle habite chez ses parents. Au 22 de la rue qui mène à la plage. Nous y allons? Vous êtes trop impatient, Hastings. Laissons ces pauvres gens encaisser la nouvelle. Et allons faire un tour au salon de thé où travaillait Betty. Ah là 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 là. Sacré Hercule. Eh oui, elle est morte, la malheureuse. C'est ça qui est moche. Je l'ai gogé. Bexhill semble être une petite ville agréable. Ouais, les maisons victoriennes, elles sont stylées. Elles sont stylées. Ah oui, il y a une fenêtre ouverte, j'avais pas vu. Il y a les bungalows. Bexhill est une jolie petite station balnéaire à l'architecture élégante, bien que ma préférence aille aux constructions plus modernes. Bexhill est une jolie petite station balnéaire à l'architecture élégante, bien que ma préférence aille aux constructions plus modernes. Non, on va pas rentrer pour Scotland Yard maintenant. Seraient-ce les mêmes bâtiments que sur la photo de la victime? Ah, on reconnaît l'enseigne déjà, d'entrée de jeu. Ingercat Restaurant. On reconnaît l'entrée de la photo, ouais. Ouais, il y a le belvédère aussi. Il y a le fond de mer aussi, ouais, qu'on reconnaît. C'est bien ici qu'a été prise la photo que j'ai trouvée dans la cabine. Ouais, ça a de la gueule, hein, j'aime bien. Le quartier est beau. Mmh. 23 ans, pauvre chatte. Oh, elle était toute jeune. Mmh. Qu'est-ce donc déjà? Une photo trouvée dans la cabine de plage. C'est la victime aux côtés d'un jeune homme. Un joli couple. Oui. Soupir. 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 Le dessin est beau, j'aime bien. Avec l'affluence de touristes, ces commerces doivent être florissants. C'est l'heure du jugement. Hastings semble mal à l'aise. Autant le meurtre de Madame Asher le laissait relativement indifférent, autant celui d'une jeune femme le trouble profondément. Avec l'affluence de touristes, ces commerces doivent être florissants. Ah, c'est la même remarque, parce que moi je pensais avoir cliqué sur les hommes de main, là, les policiers. Tiens, tiens. Non. Ah, bah non, c'est la remarque de l'autre truc. C'est bien ici qu'a été prise la photo que j'ai trouvée dans la cabine. Ça, c'est quoi ça? C'est bien ici qu'a été prise la photo que j'ai trouvée dans la cabine. C'était un journal à ramasser au sol. J'ai eu un gros doute. Bref, je vais lui faire la causette.
Je crains que cette affaire soit loin d'être réglée. Mais enfin, Poirot, vous allez démasquer l'assassin ? Certes. Mais combien de fois tuera-t-il avant ? Je pense pas que ça vaille la peine de refaire l'observation. Hastings semble mal à l'aise. Ouais, non, c'est les mêmes répliques. Pareil pour le bavardage. Je crains que cette affaire... Ouais, non. Certes. On tourne en rond. Faut vraiment que je rentre. J'arrive dans une minute, messieurs. Sympa, l'établissement. Respecter les lieux de travail de Barty. Pardon. C'est un jukebox ? Quel dommage. Je n'ai pas de monnaie pour le faire fonctionner. Oh, on n'est pas là pour la récréation non plus, mon grand. Sacré poireau. Quelque chose me dit qu'elle est la propriétaire du Ginger Cat. Alors, le premier truc qui me pète à la vue, c'est son crucifix. Elle est bigleuse. Cheveux roux. Non, mais moi j'aurais dit paire de lunettes correctrices. Elle se tient la manche. Ouais. Cette femme doit être la propriétaire du Ginger Cat. On dirait que quelque chose la tracasse. Ah, oh, elle a oublié de faire sa compta. Que désirez-vous ? Un chocolat chaud et un thé pour mon ami, s'il vous plaît. Je m'en occupe de suite. J'ai besoin de connaître la plage horaire pendant laquelle Betty travaillait seule. Oh putain. Betty. Où est Betty ? Elle est là, la Betty. Betty travaillait de 11h à 19h30. Aurait-elle été seule quelque temps pendant son service? Et là, il n'y a rien. Cette page ne m'aidera pas. Ouais. Betty travaillait de 11h à 10h. Betty travaillait de... Oui, non, mais je... Je peux pas faire d'autres intéressant. Conclusions. Betty était seule de 17h à 19h30. Ah oui, c'est vrai ça. Qui a-t-elle servi ? Eh oui, Billy était parti. Non, cette personne n'est pas la dernière à avoir travaillé avec Betty. Qui est Billy ? Intéressant. Betty. Marc, non ? Non, cette personne. Betty travaillait de 11. Mais faut pas que Betty travaillait. Parce que si, faut que je clique avec frénésie comme un idiot sur tout ce qu'il y a de cliquable, j'ai pas fini ma journée, moi. Cette page ne m'aidera pas. Cette page ne m'aidera pas. Mais chie, Millie, elle revient. Cette page ne m'aidera. Pour interroger Millie, qui est la dernière à l'avoir vue sur son lieu de travail. Betty travaillait de... Bref. Cette page ne m'aidera pas. Oh, je voulais voir si je pouvais pas manipuler le bouquin. Il est terrible quand même. Oh mon Dieu. Ce sont les notes des différents serveurs. Lesquelles ont été rédigées par Betty ? Oh. Alors... Oh merde, il faut que je retienne l'intervalle de quelle heure elle a bossé. Où voilà pourquoi. Betty ? Alors, de 11h du mat à 7h30 le soir. Oh la vache, ça fait du... Elle a bossé... Waouh, elle compte pas ses heures là. Elle a bossé jusqu'à 19h ? Non. Elle a fait du 11h 19h30, dur. Cette note a peut-être été rédigée par Betty. Il y en a sûrement une autre. Ouais.
pas là, elle avait pas son service. Betty n'était pas seule à servir pendant ces deux horaires. Continuons de chercher. Elle avait commencé son service à 11h. À 5h, elle bossait encore. Puisqu'elle a quitté son service à... Cette note a peut-être été rédigée par Betty. Il y en a sûrement une autre. Celle-là aussi. Betty n'était pas seule à servir pendant ces deux horaires. Continuons de chercher. 20 Dio. Ah, ça correspond à ses heures de service là aussi. Certainement un homme seul, amateur de whisky, peut-être le meurtrier. Cette note a peut-être été rédigée par Betty. Il y en a sûrement une autre. Et là, c'est pas précisé AM ou PM, ce qui m'aide pas vraiment. Non, quelque chose ne va pas. Betty n'était seule que pendant l'un de ses deux horaires. Cette note a peut-être été rédigée par Betty. Il y en a sûrement une autre. Certainement une famille. Non, quelque chose ne va pas. Betty n'était seule que pendant l'un de ses deux horaires. Peut-être devrais-je consulter le registre à nouveau. J'ai dû manquer quelque chose. Ouais, je vais prendre la plage horaire où elle était effectivement seule. Donc c'était à la fin de son service. Où est Betty ? Elle est là, la Betty. Moi, on l'a reconnue, la Betty. Moi, elle est gentille, la Betty. La Betty Boops. Bon, bref. Donc, ah, j'aime pas les horaires. Le système anglais, tout m'agace chez les Anglais. Même leur thé. Pour ça que je le consomme chez les Japonais. Bon, bref. Donc, en heure française, sachant qu'en plus, moi, je n'accepte que le format 24 heures. Elle était seule de 17h à 19h30. De 17h à 19h30. De 17h à 19h30. Certainement une famille. Cette note a peut-être été... Certainement un homme seul, amateur de whisky. Peut-être le meurtrier. Betty a servi une famille et un homme seul, amateur de whisky. Peut-être le meurtrier. Ces informations vont m'aider à faire avancer l'enquête. Mais... Enfin, messieurs, que faites-vous ? Nous cherchons des indices, mademoiselle. Je m'appelle Hercule Poirot, je suis détective et voici le capitaine Hastings. Betty Barnard travaille bien ici. En effet. Et elle devrait être arrivée depuis un moment déjà. La ponctualité est la première des politesses. Je crains que mademoiselle Barnard ne vienne pas aujourd'hui. Elle vient d'être retrouvée morte sur la plage, à une centaine de mètres du salon de thé. Oh, mon Dieu. Pauvre petite. Que s'est-il passé ? Il semblerait qu'on l'ait assassinée. Quel épouvantable scandale ! Cette affaire va nuire à la réputation de mon établissement. Que pouvez-vous nous apprendre sur mademoiselle Barnard ? Rien, absolument rien. Mademoiselle Barnard était mon employée, je ne m'intéressais pas à son intimité. Vous saviez au moins qu'elle avait un petit ami ? Oui. On a retrouvé cette photo. C'est bien lui ? C'est bien lui, en effet. Mais ça fait un moment que je ne l'ai pas vu. Vous pensez qu'il pouvait y avoir des problèmes entre eux ? Je ne suis pas aussi familière avec mes employés. À présent, veuillez m'excuser, mais je dois reprendre le travail.
Le client qui a consommé un whisky pourrait peut-être nous en apprendre davantage. Il pourrait être le dernier à avoir vu Betty en vie. C'est une idée intéressante, Hastings. Il s'agit peut-être d'un habitué. Qu'en dites-vous, mademoiselle ? Je ne pense pas. Nos clients réguliers viennent plutôt consommer du thé et des pâtisseries. À cette période, il y a toujours beaucoup de touristes qui ne reviennent jamais. C'est bien ce que je pensais. Il est temps d'aller chez Betty Barnard. J'ai même pas fait le tour du restaurant et nous n'avons même pas consommé nos collations. Oh qu'il est beau. Il est beau. Il est beau ce poireau. Oh là là, ça présente bien. C'est un salon privé. C'est le salon de thé. Voilà une table bien dressée. Rien ne dépasse et surtout aucun pli. Ouais, c'est la classe. C'est la classe. Miss Merion n'est pas le genre de témoin que mon ami préfère interroger. Chez la pauvre Betty. Pere pere pem, pere pere pem, pere pere pem pem pere pem. Je crois que nous avons dépassé la maison des Barnard. Heureusement pour moi. Vous avez un sens de l'orientation hors pair, Hastings. Un véritable explorateur. C'est bien ici qu'a été prise la photo que j'ai trouvée dans la cabine. Oh là là, toujours pour la même déduction. Hastings semble mal à l'aise. Autant le meurtre de Madame H. C'est la même réplique, je suis déçu. Je crains que cette affaire soit loin d'être réglée. Mais enfin, Poirot. Certes. Oh là 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 là, toujours la même réplique. Déception. Déception. Bonjour, mademoiselle. Je m'appelle Hercule Poirot. Je vous connais. Vous êtes le détective à la mode. La formule n'est pas flatteuse, mais je m'en contenterai pour l'instant. Vous êtes la sœur d'Elisabeth, n'est-ce pas? Oui. Je m'appelle Meghan. Pouvons-nous entrer un instant? Faites. Mes parents sont encore au commissariat, et je doute qu'ils soient en état de vous parler à leur retour. Ne vous en faites pas, nous ne les importunerons pas. Vous connaissiez les projets de votre sœur pour la soirée d'hier ? Non. Je suis arrivée par le train de ce matin. Mes parents m'ont appelée, paniquée, quand ils ont découvert la disparition de Betty. Elle est sortie hier soir, mais elle ne leur a pas dit où elle allait. Quel était le sujet de votre dernière discussion ? Sa nouvelle robe. Elle voulait une paire de bas noirs pour aller avec. Notre mère lui en a acheté une le jour même où... C'est arrivé. Elle pleurait. Dire que Betty ne les aura jamais portées. Pauvre maman.
Attends, il y a quelque chose qui m'intrigue. Dans la première affaire, dans le bureau de tabac, quand le mari Soul a renversé le meuble à l'entrée du magasin, parmi les objets répandus sur le sol, il y avait une boîte de collants. Et là, il me parle de collants également. C'est coïncidence ou... Ce phonographe est magnifique. C'est sans doute un modèle unique. Ah, j'ai le droit de monter à l'escalier. Cool. Les Barnard semblent faire passer la musique en priorité dans leur budget. Tu m'étonnes. Il y a un Stradivarius sur la table. Leur intérieur est modeste, mais les Barnard sont sans aucun doute des mélomanes. Ce ne serait pas courtois de visiter la maison sans y avoir été invité. C'est marrant, je me faisais la même réflexion. En disant c'est un peu brutal. C'est limite s'il aurait pas ouvert la porte à l'américaine avec un coup de pied en bas de la porte. Oh, le tableau est magnifique. Enfin, les tableaux sont magnifiques. Mais celui-là, il me plaît particulièrement. C'est marrant, il me fait penser à la mission de Hitman en Italie. Surtout avec les. Les. Mince, les. Ah, j'ai oublié le nom du végétal. Enfin, bref. Ça n'a que peu d'importance. Ouais, Megan est la sœur, ouais, sa grande sœur, ouais. Interroger Megan. Il est stylé cet appart. Oh là là, ce luxe. Cette volupté. Oh. Oula. J'ai du mal à diriger Hercule Poirot là. Là, ça devient what the fuck là. J'ai pas le droit de lui parler? Faut que je parle à mon copain. Hastings est toujours plus attentif quand il s'agit d'interroger les jeunes femmes. Hastings est tout. Sauf que là, j'ai pas compris, là. Oui, allez, va t'admirer. Flatte ton ego. Allez. Allez, un petit coup de brosse sur ta moustache. Grand fou, va. Aïe, 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 aïe. Ah! Ça y est. Enfin. Que ressent-elle en ce moment? La grande sœur de Betty n'est pas seulement triste, elle est en colère. Betty sortait-elle souvent? Ma sœur n'était plus une enfant, monsieur. Elle sortait, elle aimait le cinéma, la danse. C'était une fille très bien qui ne fréquentait pas les hommes. C'est ce qu'on dit dans ces cas-là, non?
Ce qu'on dit ne m'intéresse pas. Je cherche la vérité, Miss Barnard. Si vous saviez comme j'aimerais parler avec quelqu'un qui ne sait pas que votre sœur est décédée et pourrait m'en donner un portrait juste, au-delà des convenances. La vérité, c'est que ma sœur adorée était la reine des imbéciles. J'avais beau essayer de la raisonner, elle se comportait comme une andouille. Comment cela ? Elle disait que si un jour elle devait se marier avec Don, elle voulait en profiter avant. Je comprends. Continuez. Excusez-moi quelques instants, je dois répondre. Bizarre, c'est son Mais bien entendu. Téléphone. La chambre de Betty se trouve en face de l'escalier au premier étage. Vous pouvez la visiter si cela vous semble utile. Cette jeune femme est trop intelligente pour n'avoir rien d'autre à nous apprendre. Vous croyez qu'elle cache quelque chose ? C'est ce que je vais tâcher de découvrir. Vous ne la croyez tout de même pas coupable ? Je n'ai rien dit de tel, mais votre jugement est toujours biaisé quand il s'agit des jeunes femmes, Hastings. Qui sait ? Meghan était peut-être jalouse de sa jeune et jolie sœur. Je vois. Elle pourrait avoir des vues sur l'héritage de ses parents ? Ou bien elle était peut-être amoureuse de Donald Fraser ? Il faut en effet envisager toutes les solutions, même les plus improbables. Mais je doute que monsieur et madame Barnard soient suffisamment riches pour justifier un meurtre. Pendant que j'essaie de faire parler mademoiselle Barnard, j'aimerais que vous essayiez de trouver Donald Fraser. Vous devriez facilement localiser l'agence où il travaille. Faites-le donc venir au Ginger Cat. Je souhaiterais lui parler avant que l'inspecteur ne le fasse chercher. Elle aurait été jalouse de la beauté de sa sœur. Ouais. Ah, partition musicale. On dirait que Betty était aussi mélomane, à l'image de sa famille. Elle chantait ? Un métronome. Betty pratiquait sans doute le chant. Eh ben... Une boîte de bas neuf. Pourquoi les bas reviennent Une à chaque fois ? Une boîte de bas. Il me semble que Betty avait une vie bien remplie. Eh ben. Betty aimait le luxe et les sorties. Et jolie comme elle était, elle ne devait pas avoir de mal à se faire inviter. Ah là 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 là. Avoir tous les vêtements qu'elle a sortis, Betty a dû avoir du mal à choisir sa tenue. Elle avait peut-être un rendez-vous galant. C'est quoi ça ? Une pochette de disque portant un titre manuscrit. Betty a dû enregistrer une maquette. Je serais curieux de l'écouter. Ça tombe bien, il y a un phonogramme en bas. Quelque chose me gêne sur cette horloge. Ah, la partie
supérieur et sur le côté, il y a un truc. Ce panneau de bois est bloqué. Je ne peux pas l'ouvrir. Il y a une lettre qui a été mal remise dans le... D'où Jésus. Quel étrange mécanisme. Je ne pense pas qu'il serve à faire tourner les aiguilles. J'en doute aussi. Les pignons sont bloqués par ces plaques de bois. Wouh ! Chaud ! Ah, il y a trois positions. Attends. Je pense que c'est verrouillé, ouais. Tant que j'aurai pas déverrouillé le mécanisme. Ah, étrange. Enfin, je vais insister lourdement, mais... Ce disque de métal est coincé. Nous sommes d'accord. Merci, Poirot. Attends, les pignons sont bloqués par ces plaques de bois. Oui, j'avais bien compris. Mais j'aimerais disposer tous les pignons à leur centre. Juste par observation. Les pignons sont bloqués par... Les pignons sont bloqués par ces... Les pignons sont bloqués... Je répète pas. Alors là, je dois bien confesser que je ne sais pas ce que je fais. Je ne comprends pas. Les pignons sont bloqués... Oui, les pignons, mais ils sont bloqués, mais ils sont... Les pignons sont bleus. Attends. Il y a une signification à l'heure indiquée? Il est 11h09? Ce disque de mes... Oui, il est coincé. Attends. Ah merde, je peux pas... D'accord, ok. Cette décoration paraît solidement fixée. Oh non, ne me dis pas qu'il y a des trucs dans les angles. Oh là là là. Oh ! Ce panneau de bois est... D'accord, ça fait partie de la symétrie du bazar. Ok. Ah, pardon. D'accord. Non, je me suis fait avoir par un jeu de lumière. Cette décoration paraît solidement... Fixée, oui, d'accord. Pourquoi ne serait-elle pas? Cette décoration. Oui. Ce pied n'est pas parfaitement fixé. Pourquoi il y a une entaille? Ce pied n'est pas parfaitement fixé. Ce pied n'est pas parfaitement. Oui, mais je peux pas le manipuler là, je peux pas faire. Ce pied n'est pas parfaitement fixé. Ah, parce que je peux manipuler le... Wouah ! D'accord, il faut régler l'horloge aussi, ok. D'accord. Alors attends, le pied pas... du côté là. Ouais, ça je remets en position, hop. Est-ce qu'il faudrait que je remonte le coucou à minuit? Par principe, l'heure du crime? Oui! Oui! Que c'est étrange. Mais que signifierait l'encoche sur la partie inférieure droite de cette horloge boîte?
Ce pied n'est pas parfaitement fixé. Tout ceci est bien mystérieux. J'ai le cerveau en ébullition. Attends voir. Je peux régler à souhait l'horloge qui est finalement inerte. L'angle supérieur droit est encoché. Je comprends pas. Il y a sûrement un indice qui m'a échappé, mais qui est pas sur l'objet en lui-même, mais dans la chambre. Tant pis, je vais réinitialiser le truc. J'y reviendrai plus tard, il doit me manquer quelque chose. Ouais, tant pis. J'y reviendrai juste après. C'était une soulotte ? Non. Du sirop contre les extinctions de voix. Betty était peut-être souffrante. Ça fait deux points communs entre les victimes. Du sirop pour la toux et des collants. C'est vraiment étrange. Cette petite clé devrait m'être utile. Pardon ? Une petite clé, elle était cachée dans la boîte à bijoux de Betty Barnard. Oh, Black Betty Pemberley, well, Black Betty Pemberley, dun digga digga dun, derelay, dun digga digga dun, Pemberley, well, Black Betty. C'est un des airs de rock les plus célèbres, ça. Well, Black Betty, elle semblait... Ouais, pieuse est peut-être pas le terme que j'emploierais. J'ose pas dire qu'elle avait une vie décadente, mais... Disons qu'elle avait une famille... catho. Oh là là, sa chambre est d'un charme fou, j'aime bien. Le tapis est magnifique en plus. Oh, elle avait un goût raffiné là, la demoiselle. Une pochette de disque portant un titre manuscrit. Betty a dû enregistrer une maquette. Je serais curieux de l'écouter. Il n'y a pas la moindre horaire sur le... Betty aimait le luxe et les sorties. Et jolie comme elle était, elle ne devait pas avoir de mal à se faire inviter. Je suis troublé. À voir tous les vêtements qu'elle a sortis, Betty a dû avoir du mal à choisir sa tenue. Elle avait peut-être un rendez-vous galant. Ah là 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 là. Non, il n'y a pas d'indice en dehors de la... De la mystérieuse boîte à musique. Boîte à musique. Horloge, boîte. Quelque chose me gêne sur cette horloge. Et les pieds des... Non ? Ah ! Serait-ce légèrement dévissé ? Serait-ce légèrement... Oui, attends. Oh ! Cette décoration paraît solidement fixée. Je pense que les autres pieds, c'est le cas également. Ce pied n'est pas parfaitement fixé. Et je ne peux pas le manipuler, si ? Ah si ! Bien. Le panneau de bois devrait pouvoir être ouvert. Ah ! Voilà qui change la donne. Ce panneau de bois est bloqué. Je ne peux pas l'ouvrir. Ah, pas encore. Ce panneau de... Là, c'est peut-être animé au niveau des rouages. Quel étrange mécanisme ! Je ne pense pas qu'il serve à faire tourner les aiguilles. Ah non, nullement. Il va
Mais là, il ne se passe rien. Je peux pas influencer dans le mécanisme lui-même, hein. Non, j'ai pas le droit de toucher au panneau de bois. Les pignons sont bloqués par ces plaques de bois. Ouais. Sauf que j'ai pas compris la logique. Là, j'y vais au bonheur, la chance, en espérant déclencher quelque chose. Mais j'ignore quoi. Ou j'ignore comment, plus exactement. Est-ce qu'il faut remonter l'horloge? Tellement bizarre. Bizarre. Une feuille de papier est bloquée dans l'horloge. Est-ce qu'il faut désigner le papier bloqué à 10h10? Ah non, j'ai pas le droit de... Voilà qui est mieux. Bah! Oh l'autre! Je l'avais fait une première fois, ça avait pas déclenché le truc. Il fallait que j'y aille pour un, comme si j'essayais de casser le mécanisme. Pour vraiment me... Enfin bref. Je progresse, c'est l'essentiel. Oh, ouais. Comment j'aurais pu passer à côté de la bonne déduction, ouais. Bizarre. Oui, on a compris, Poirot. Bon, je progresse. Qu'est-ce qui fait que je vais pouvoir déclencher le fonctionnement du dit mécanisme? Tellement bizarre. Les pignons sont bloqués par ces plaques de bois. Les pignons sont bloqués par ces plaques de bois. Mais gagne, mais n'y a pas de bois. Les pignons sont bloqués. Bon, si je mets tout à l'extérieur, il se passe rien, je présume. Essayons. Il ne se passe rien. Les pignons sont bloqués. Oh, je vais faire l'inverse, je vais tout mettre au centre. Il faut que j'aille par tâtonnement à la recherche de la combinaison gagnante au pif. C'est censé être plus sensé que ça, non? Ça, c'est toujours figé. Ce disque de métal. Toujours coincé, bon. Bizarre. Bija, bija, tu, 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 tu. Cette décoration... Oui, on est d'accord. Il n'y avait que d'un côté où c'était bloqué. Cette décoration... On est d'accord. Donc il y a quelque chose qui m'échappe. Fallait bêtement tout remettre au centre. Puisque ça ne l'était pas au départ d'ailleurs. Il y avait une dissymétrie au début. Les pignons sont bloqués. Ah, quelque chose me manque dans la réflexion. Ça n'a aucun rapport, mais bon. Il y avait espoir. Que ça déclenche une déduction dans mon esprit, mais il n'en est rien. Oh mince. Ah, puis une fois que je l'ai remonté, je peux plus rien faire. Ça au moins je sais que c'est fait. On est d'accord, je peux pas voir le fond de la boîte d'horloge. Non, il n'y a aucun intérêt. Par contre, j'ai pas regardé derrière le... Ben non, il y a rien. J'avais pas regardé derrière cette le fond. Décoration paraît... Oui. Bon. Les pignons sont bloqués.
tellement bizarre. Je vais bêtement faire toutes les combinaisons, hein, parce que je vois pas comment. Ouais, là, j'y vais au bonheur, la chance, mais je ferais bien d'y aller de manière ordonnée. Sans quoi, je m'en sortirais pas. Donc, alors attends, ça va faire je sais pas combien de combinaisons. Alors, on va commencer avec tout sur la gauche. Voilà, c'est fait. Donc, j'ai commencé à manipuler celui-là. Donc, c'est pas ça. Mais demain j'y suis encore. S'il faut que je teste toutes les combinaisons et encore, en espérant que je sois pas contraint de dézoomer. Ouais, pour dire que j'ai trouvé le truc. Les pignons sont bloqués. Oui, non, merde. Je commence à cliquer de manière paniquée, là. Ah, j'y arriverai pas, c'est pas possible. Les pignons sont bloqués. Où est la logique? Non, mais il doit y avoir quelque chose de plus évident que de faire une combinaison au pif. Bon, les angles opposés, il y a un panneau de bois qui recouvre le bazar. D'ailleurs, j'ai pas tenté de l'ôter, je sais pas si je peux. Apparemment non. Les pignons sont bloqués. Les pignons sont bloqués par ces plaques de bois. J'essaie de me convaincre que c'est des plaques mobiles, mais je sais pas comment faire. Les pignons sont bloqués. Les pignons sont bloqués. Merde, homme. Cette décoration... C'est savamment bien pensé, mais... Les pignons sont bloqués. Les pignons sont bloqués par ces plaques de bois. Les pignons sont bloqués. Vers l'intérieur, c'est tellement étrange. Pour déverrouiller, mais j'ai déjà fait ça, je crois. Je dis bien, je crois. Je ne sais plus. Là, j'avoue que je sèche lamentablement. Il y a une logique que je n'ai point saisie. Thank you.
je suis coincé à ça et... Voilà, je résiste pas à l'envie de m'offrir ma pause déjeuner et je reprendrai plus tard. Tant pis, je vais arrêter là dans l'immédiat. Et je reprendrai plus tard. Ouais, c'est vrai que j'ai droit à un indice, mais j'aimerais éviter. Ah là 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 là. Ouais. Là, je reconnais que je me heurte. Enfin bon.